Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va déblayer et décaisser la maison. On va voir un peu comment ça se passe. Bah, c'est déjà par où? C'est parti, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Maximo commande, qui déblaye, c'est parti. Alors un coup de pelle, un coup de pelle, et voilà. En plus il pleut ce jour-là, on est quoi? On est mercredi, il y a 2 semaines là. Hop, première aller-retour, on y va. Alors pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait Maxime? Je surveille un peu quand même. Hein. Il fait un petit tas. Ah, il y a Renaud qui arrive. Salut Renaud. Ah bah déjà de retour. Ok, bah vas-y, garde-toi là Simon. Ok, c'est bon. Alors, bah Simon, t'es à peu près là. Ok, parfait, bien garé. C'est parti, on charge. Voilà, Maximum commande toujours. Hop, ça se passe bien, et pas de soucis particuliers. On refait un beau tas. Voilà, on pousse. Pousse, lève, remplis. Ok Simon, je pense que ça va être bon. Simon, c'est moi. Hein. On va voir comment ça se passe après. Ouais. Voilà, on a discuté. Hop là, c'est parti. Alors, qu'est-ce que là? Bah, on refait un tas une fois de plus. D'accord, je vois le genre. Ok. Bon, bah écoute, ça m'a bien, bien bossé. Hein. Une minute qu'on bosse. Oh, on a un petit coup de pelleteuse. Et voilà, on recharge, on recharge. Ah, il y a des mecs qui arrivent. On est fin de matinée. Déjà, il fait un peu soleil, ça fait plaisir. Et bah une fois de plus, hein, on fait un tas hein, quand il y a des gravats. Ah, changement de godet. Oh, ça va, nickel, hein, ils s'en sortent bien. Hein. Alors là, on met un petit godet pour aller chercher tous les gravats qu'il y a dans la maison. Il y aura une petite image après, il me semble. Parce que j'ai fait pas tomber pas mal de gravats comme j'ai fait 2 ouvertures sur la face sud. J'ai tout balancé au rez-de-chaussée. Et maintenant, il faut enlever quoi. Ok, c'est parti, on charge. Alors, qui c'est qui charge? Eh bien, c'est Maxime. Maxime qui s'y colle. Voilà, changement. Alors là, c'était un peu technique parce qu'il fallait à chaque fois avancer, reculer. Voilà, ça c'est la maison, l'intérieur. Bon, c'était rapide, hein. On met une petite pause, on met une petite pause. Bon, tant pis, vous avez vu, hein. On va gratter l'intérieur pour enlever les gravats. On change de godet, donc là c'est Damien qui pilote. Ok, c'est parti, on remplit, on tasse. On tasse pas trop non plus, hein. C'est déjà lourd à conduire. On remplit, on pousse. Alors, bon, là, c'est pas loin d'être plein là. À mon avis, je vais pas tarder à partir. Oula, oui. Oula, oula, oula. Il faut vite que je m'en aille là. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait là? Hop, Renaud est parti. Maxime est encore là avec Damien. Ah, vas-y, guide-moi, vas-y. Ok, c'est bon. On enlève les gravats près du mur. Ok, c'est bon, c'est propre. Petit coup de pelle pour faire joli. Nickel. Bon, bah là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais oh, faut bosser là. Ils font n'importe quoi. Ils discutent comme ça au soleil. Non, merci, hein. Bon, ça va qu'ils sont bénévoles, mais quand même, c'est pas très sérieux. Ah bah ça y est, je me suis regardé. Et ben, un petit coup de pelleteuse, hein, ça fait plaisir. Hein. J'avais pas encore joué avec, enfin travaillé avec, pardon. Ok, tout se passe bien, nickel. Ça a un peu reculé là, je pense, j'avais dû oublier le frein à main. C'est légèrement, très légèrement. Mais bon, ça, attention. Hein. Ok, et ben écoute, dernier chargement. Hein. Alors là, on est à l'intérieur. Donc là, ils ont fait bah, pelle et pioche à l'intérieur. Hein. Et on voit encore le plancher intermédiaire qui est au-dessus, que je vais casser le lendemain tout seul pour me faire plaisir. Pelle et pioche, c'était un peu long. Donc je me suis dit, on va aller louer une autre mini-pelle pour rentrer dans la maison. Attention, ça va pas tarder. Ouais, c'est parti. Donc là, j'ai cassé, j'ai pas eu le temps de fermer parce que j'ai oublié la caméra. Et là, ça y va, ça y va. Bah, brouette, nouvelle équipe avec Simon et Léo qui sont là. Et il y a Bertrand qui va pas tarder. Et brouette, hein. Brouette et mini-pelle. Et c'est parti. On décaisse. Donc là, on a déblayé l'extérieur. Et maintenant, on décaisse le rez-de-chaussée pour refaire une dalle propre. Hein, hérisson ventilé, drain, béton de chambre, tout ce qui s'ensuit, quoi. Ok, là, ça prépare les pierres pour le chargement. Petite vue comme ça depuis. La porte d'entrée sud. Ok, bah écoute, ça a l'air pas mal, hein, une bonne équipe. Hein. Là, ça va vite, hein, fait pas mal de pelles. Donc, je décaisse sur à peu près 50 cm de profondeur là, pour faire un beau hérisson et être tranquille, quoi. On finit de casser le mur, on remplit les brouettes, on met des petites passerelles. Hop, et c'est parti. Ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. Et encore, encore, encore. La pierre était un peu lourde. Ok, oula, il commence à faire nuit. Il fait nuit. Et là, on est dimanche. Hier, on était samedi. Et là, on est dimanche, tout seul. Mais ça fait bien. Hein. Et hop, on fait pareil. Même procédure. On remplit des brouettes. Et on pousse. Voilà la mini-pelle. Heureusement qu'il y a la mini-pelle, hein, ça aide beaucoup. Si vous faites ça chez vous, n'hésitez pas. Ça vous fait gagner un temps phénoménal. Là. Surtout avec le camion benne versante. Ben voilà, comment ça se passe du côté du camion. Ça se passe bien. Ça se remplit comme ça petit à petit. Hein. J'en ai fait 3 comme ça le dimanche. Donc dire j'avais une petite fatigue le lundi. Et dernier remplissage à l'appel. Allez voilà, bonne fin de journée, salut, ciao!